Feu vert pour le Razoni. Les 20 inspecteurs ont terminé le contrôle du chargement de céréales ukrainiennes au large des côtes turques. Ce navire qui attire toutes les attentions, c'est le premier depuis le début de la guerre à avoir quitté l'Ukraine avec son chargement. 26 000 tonnes de maïs parties du port d'Odessa lundi matin. Au terme d'un accord conclu le 22 juillet, le cargo devait subir une inspection à Istanbul par des représentants russes, ukrainiens, turcs et onusiens avant de poursuivre sa route vers Tripoli au Liban. Selon les experts, le maïs serait destiné à nourrir les volailles. La reprise des envois vers les marchés mondiaux de céréales ukrainiennes est une source d'espoir pour de nombreux pays touchés cruellement par ce dommage collatéral du conflit en Ukraine. 27 bateaux attendraient leur départ des ports ukrainiens. 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine, grenier de l'Europe.